Bonjour Cara. Bonjour. Donc merci à vous d'être présente aujourd'hui pour cette conversation enregistrée. L'idée, pour rappel, cette conversation, c'est de faire un petit focus sur qui vous êtes. Quels sont vos liens avec la question de l'innovation territoriale, quel est le sujet de ces vidéos? Et puis, dans une suivante, de vraiment zoomer sur un cas pratique pour être dans le concret. Donc, peut-être dans un premier temps, je vous inviterai peut-être à vous présenter qui vous êtes, où est-ce que vous habitez et puis dans quelle organisation peut-être vous travaillez. Ben c'est parti. Alors, donc, je m'appelle Clara Villard. Je pense que par nature, je suis un précurseur parce que je suis très curieuse et que j'adore chercher et expérimenter de nouvelles choses. Donc ça, c'est voilà qui je suis fondamentalement. Voilà, je pense que c'est ça. Ensuite, sur qui je suis professionnellement, donc moi, je suis de formation ingénieure des travaux publics de l'État. Donc j'ai travaillé, ça fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans des services de l'État à différents niveaux territoriaux. Donc j'ai travaillé à l'échelon départemental en début de carrière dans ce qu'on appelait avant les DDE, les directions départementales de l'équipement, les ancêtres des directions départementales des territoires. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les questions de qualité des eaux marines, d'annonce de crues, de travaux hydrauliques, d'ingénierie d'appui territorial aux collectivités sur tout ce qui est on va dire ruissellement, inondation. Ensuite, j'ai orienté ma carrière plus vers une posture de méthodologie, voilà, construction méthodologique, accompagnement de territoire sur les questions de vulnérabilité des territoires et de gestion de crise. Et sur voilà, la dernière partie de ma carrière, j'ai approfondi énormément la notion de résilience des territoires à des crises violentes ou à des perturbations plus lentes. Et donc, ça fait directement écho à ce que vous disiez sur l'innovation territoriale. Pour moi, dans la résilience, il y a une part d'innovation, de courage, de créativité, de divergence qui est très importante, enfin, telle que je conçois la résilience. Voilà, donc voilà, j'ai ce parcours-là, on va dire, au service de l'État en lien avec les territoires, avec différentes postures. Et ce parcours-là m'amène aujourd'hui, en fait, à réaliser que pour moi, la technique n'est pas vraiment un frein. J'ai le sentiment que l'humain aura toujours les capacités à surmonter les défis techniques. En revanche, l'humain et l'humain avec les autres humains peuvent être un formidable levier ou un frein incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en train d'infléchir la suite de mon parcours vers l'accompagnement de façon plus collaborative. Je me suis formée en facilitation en intelligence collective. Je suis facilitatrice graphique. Et puis, je suis aussi en coach en devenir, justement pour aller plus sur ce volet relationnel humain et comment, en fait, finalement libérer le potentiel des collectifs pour justement atteindre cet état de résilience qui, pour moi, m'est cher parce que je le considère avec beaucoup d'exigence et de, voilà, ouais, d'exigence, je crois que c'est le mot. Et dans ce cadre, voilà, ces nouvelles compétences que vous avez, sur lesquelles vous êtes formé, j'ai entendu la question de l'intelligence collective, la facilitation graphique. En quoi ça permet en fait de tendre vers des organisations peut-être plus résilientes ou des projets plus résilients? Alors, pour moi, l'intelligence collective, c'est, alors sans surprise pour ceux qui connaissent, c'est une intelligence qui émerge d'un groupe parce qu'elle prend en compte les interactions entre ses membres. Et son intérêt, c'est surtout de faire surgir des richesses immatérielles comme la coopération, la solidarité, la confiance, la performance aussi, la créativité, la divergence. C'est pour ça que je pense qu'en complément des façons de faire traditionnelles qui ont fait leur preuve mais qui sont parfaitement légitime, je pense, dans certaines situations. La complexité des défis à relever aujourd'hui nécessite vraiment d'avoir une autre approche complémentaire qui permette justement à la fois d'être performant sur le résultat et de nourrir le collectif qui va porter la solution. Parce qu'on voit aujourd'hui que les problématiques sont tellement complexes que c'est sans doute pas la réponse d'un seul individu. Et c'est là, la question du collectif, c'est là où se situe, comme je disais tout à l'heure, soit le levier, soit le nœud, quoi. C'est pour ça que l'intelligence collective, je la trouve vraiment puissante pour justement apprendre à travailler autrement, créer autre chose, et puis surtout peut-être imaginer des modes de pensée et des modes de réponse qui ne sont pas ceux qui nous ont amenés à la situation actuelle.
Einstein l'a dit mieux que moi, on ne résout pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont générés. Et je pense que c'est aussi un des intérêts de l'intelligence collective, c'est de se mettre en situation de penser autrement, pour justement laisser émerger des choses inattendues et qui seront sans doute pertinentes. D'accord. Et en quoi ces nouveaux modes de penser et de faire génèrent du changement en fait dans un service d'État? Qu'est-ce qui bouge parmi les fonctionnaires publics, les fonctionnaires d'État notamment, plus particulièrement? Je pense que déjà, les fonctionnaires d'État, ce sont des citoyens à part entière, et qu'à ce titre-là, ils ont leurs propres valeurs, leurs propres convictions. Beaucoup sont rentrés, alors moi je travaille pour le ministère de l'écologie, beaucoup sont rentrés dans ce ministère-là vraiment par conviction environnementale, par volonté d'utilité à l'intérêt général, au service public. Donc, ce qui les meut, alors je généralise, mais je vais parler en tout cas de moi, c'est ça, c'est mes valeurs et mes convictions, aussi, dans mes croyances dans le service public. Du coup, je pense que travailler en intelligence collective, ça permet de reconstruire du sens. Alors, je ne vais pas dire redonner du sens, parce que pour moi, le sens, ça ne donne pas, ça se construit à plusieurs, notamment. Donc, ça permet de reconstruire le sens de nos actions. Ça a permis également, je pense, de se resynchroniser avec l'évolution des territoires qui vont évoluer à une vitesse qui est sans doute différente de celle des services de l'État. Je ne dis ni plus vite ni moins vite, c'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'on n'évolue pas exactement de la même façon, c'est normal. Les besoins évoluent, les défis évoluent. Et je pense que travailler en intelligence collective, ça permet aux services de l'État de se resynchroniser avec ce contexte-là, et justement de faire résonance, d'être peut-être plus inclusif dans la façon de travailler, d'inclure nos bénéficiaires le plus en amont possible, de se permettre la divergence sans se censurer, d'intégrer aussi dans nos cercles de pensée des retours d'expérience inspirants, avant de revenir dans notre cadre de travail qui a ses propres règles. D'accord. Donc, ce que j'entends, c'est effectivement la question de l'alignement personnel, un réalignement aussi collectif qui peut se faire, et puis une façon de penser les projets avec quelque chose de plus apprenant, de plus transversal, et quelque chose de multipartite prenante, qui est peut-être pas effectivement le cas de façon générale. Dans le cadre de nos différentes actions, à Primaterra, on est amené à justement rencontrer des personnes d'organisations extrêmement variées, notamment des services de l'État. Si vous aviez un conseil, une recommandation à donner justement pour s'engager dans ce genre de nouvelles façons de s'organiser, de faire ensemble, quels seraient ces conseils ? La première, c'est d'oser et d'y croire. Oui. Parce que nous, à l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes, on a un laboratoire d'innovation qui a émergé d'un collectif d'agents qui avait envie de changer les choses. Donc, y croire, oser, et puis ne pas hésiter non plus à faire réseau. Il y a beaucoup de services de l'État qui aujourd'hui commencent à travailler là-dessus, dans ces nouvelles façons de faire, et qui commencent de façon informelle à se structurer en réseau pour partager des pratiques, échanger des facilitateurs, se mieux se connaître. Donc c'est ça, c'est vraiment y croire, oser, et puis s'appuyer sur le réseau existant qui, même s'il n'est pas officiel, est là, et avec des gens qui sont qui sont complètement habités par l'intérêt de ce qu'ils font en intelligence collective. Donc très content d'échanger. Super. C'est l'élément essentiel effectivement que je retiendrai, la question à la fois de la part formelle et informelle, se mettre en réseau, se relier, et puis finalement se relier aussi à ce qui fait sens pour soi, donc se réaligner au quotidien dans la façon de faire. Clara, okay. Merci en tout cas pour... Pardon. J'ai peut-être une dernière chose en vous écoutant, ouais. Récapituler. C'est aussi, je pense que ces façons de faire, c'est bien d'en parler théoriquement, mais la meilleure façon de convaincre, c'est de le faire, vraiment. Et nous, on l'a vu avec notre laboratoire, on a vu des chantiers... ça a été percutant, et les bénéficiaires, quels qu'ils soient, hein, collectivité ou autre service de l'État, ont vraiment vu l'intérêt. Et je pense que c'est aussi, allez-y, expérimenter pour démontrer. En fait. Ça, c'est capital, parce que pour convaincre, c'est essentiel.
Ah, effectivement, l'illustration de terrain et puis l'effet d'expérience qui fait qu'en fait on va lâcher prise avec peut-être des blocages, des façons de travailler et petit à petit en quelque sorte se lancer et puis emmener du monde avec soi. Super, merci Clara en tout cas pour cette première conversation. Rendez-vous dans la suivante pour parler peut-être d'un projet. Quel serait ce projet? Ce sera le laboratoire d'innovation d'Adrel pour Auvergne-Rhône-Alpes, le Super, bon bah à tout de suite alors Clara. DRELAB. Merci.